La famille à moi, c'est lui, c'est toi. 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 Quoi, yo? Ah, Anjo! Donne-moi l'argent, je vais partir à l'hôpital. Quel argent? Les 1000 francs que je t'ai donné là, tu peux pas prendre ça pour aller à l'hôpital? Hein? Thérèse dit qu'on ne soigne pas bien à l'hôpital. Il faut que je parte en clinique. Mais si Thérèse t'a dit ça. Où est le problème? Dès qu'elle va se réveiller, tu la vois directement, elle va te donner l'argent. Sinon, moi, je n'ai rien. Moi, là, si c'est pas en clinique, là, on n'est pas madame là. Je suis malade comme ça, là, 1000 francs. Hey, Milo, il y a mon chat avec elle le matin. Là. Milo! Ok. Non, non, ouvre! Viens. Où est-ce qu'est partie Léonore? Ah, elle est allée dire au revoir à ses collègues servantes du café. Voilà, ses collègues servantes. Mais vraiment, celle, elle va me tuer. Elle a fait quoi encore? Non, ça va. Marie-Laure! Attends. Bonjour, Nago. Tu me salues? Je te salue, moi. Hein? Madame Go, je vous ai fait quoi? Tu sais très bien ce que tu m'as fait. Ma copine, laisse tomber. Toi, Oupola, tu sais pourquoi tu ne vas rien devenir dans cette vie-là? Tu n'auras rien et tu ne seras rien. Parce que tu es très mauvais. Tu es très mauvais, toi, Oupola. Mais j'ai fait quoi? Aïe, la dernière fois, là, quand je vous ai croisé, qu'est-ce que tu m'as dit? Toi, Meaka, I love you, paix à son âme. Tu n'as pas dit que Meaka est ta copine? Si, c'est ce que j'ai dit, mais... Oh. Hé, menteur, mais quoi? Regarde-moi ça! Laisse tomber ma copine. Toi là, pourquoi Meaka est enceinte? Hein? Dis, si tu n'as pas été complice de ton oncle là, pourquoi elle est enceinte? Non, tu es très mauvais, toi, Oupola. Mais Dieu va te voir. Dieu te voit. Tout ce que tu fais à notre copine là, Dieu te voit. Rends-moi ce mauvais bonhomme. Allons-y. Attends, Oupo, j'espère que tu as une petite portion au village. Hein, parce que tu vas devenir agriculteur désormais. Mm-hmm. Dès que cette affaire finit là, tu prends tes bagages et puis zou au village. Viens en partie. Moi, je suis parti au village. C'est qu'Abidjan a déménagé. Regarde-moi les gars là. C'est foutaise, hein. Delta! Mais où est la même celle-là? Vraiment? Je vous aussi. Je n'avais toutes même pas voyagé sans vous dire au revoir. Assieds-toi! Ce qu'on a te dit là, c'est tellement grave que si tu te tiens debout, tu risques de tomber en syncope. Delta! Attends. Vous avez quoi? Oh, c'est pas cool! Ah. J'ai dit, le jour où je devais aller à San Pedro, là, je suis passée te dire au revoir. Oui. La fille que j'ai trouvée dans ton jardin, là, tu t'avais dit qu'elle ne m'inspirait pas confiance. Qu'est-ce que tu m'as répondu? Non, c'est l'ami à la petite sœur de Boyeri, n'est-ce pas? Effectivement, c'est l'ami à Mika. Oh! C'est faux! Mais... Boyeri et sa famille t'ont encore beurré les yeux. En faisant quoi? En venant là, j'ai croisé ta belle-mère Meaka. Présentement, je te parle là. Elle vit chez ta belle-mère. Elle est devenue ta rivale. T'as compris? Rivale. Elle est devenue ta rivale.
Ma belle-mère vient à peine de sortir ici. Elle vient de sortir avec mon mari là. Elle était toute seule. Et puis quand même vous aussi. Je sais que Michel n'est pas bien. Il me fait des infidélités. Mais de là aller engrosser une femme, je sais pas, non. Hé, hey, Delta, faut pas nous énerver. Hein. C'est quel genre de femme tu es là? Hein? On vient de dire que ton mari a enceinte une femme qu'elle vit chez ta belle-mère. Et puis toi, tu joues les indifférences. Hey. Dis-moi, est-ce que tu aimes vraiment Boyeri? Elle aime Amélie, pas. Quittons devant elle. Attends. Elle aime pas. Mais attendez. Mais que, attendez. Oui. La sono que tu m'as demandé là, tu n'auras plus ça. Pour les funérailles là, tu te rappelles, non? Tu n'auras plus ça. Débrouille-toi. Allons. Attends, attends. Non, 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 n'allez pas. C'est quoi? Mais expliquez-moi bien. T'expliquer quoi? Hein? Nous, on va t'annoncer une nouvelle comme ça. Et toi, tu doutes de nous. Pourquoi? Mais je ne doute pas de vous. Il a enceinte une fille. Ah, attends. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ah. Parce que tout à l'heure, ma nouvelle servante essayait de m'en parler. Mais je n'ai pas voulu l'écouter. Enfin. Enfin, oh! Ah. Oh! Delta, demande le divorce. En tout cas, c'est un motif valable pour divorcer. Si tu n'as pas d'avocat, ne t'inquiète pas, je vais t'en trouver un. Bon, on va te laisser réfléchir, ok? Amélie. En tout cas, réfléchis bien, hein? Réfléchis très bien! Éléonore! Éléonore! Oui, va vite! Quelles sont ces histoires-là encore? Oui, madame. Les femmes-là, moi je les aime pas, mais aujourd'hui seulement ce qu'elles ont dit-là, c'est la vérité. C'est vrai? C'est vrai, madame. C'est la vérité? Oui. Attends, tu viens me dire que la dernière fois qu'elle était venue, ce n'est pas pour Mika? Oui, sa couche de monsieur, elle est venue. Et puis, la femme là, où elle jouait la malade, elle disait qu'elle était malade là. En ce moment, il y a longtemps, elle était enceinte. Attends, donc si je comprends bien, la dernière fois qu'elle était venue ici, ce n'était pas pour Mika? Non, hein? Sa couche de monsieur, elle est venue. Et puis, elle disait qu'elle était malade là. Mm-hmm. Oh, il y a longtemps, elle était enceinte. Donc, toute la maison est au courant, sauf moi. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Monsieur dit de ne pas te dire. Là, comme ça, à la fin, là, il va nous augmenter. Non, c'est vrai? Non, il va augmenter tes histoires. Michel a dit ça. Madame, moi, je ne mens pas. J'ai dit ce que monsieur dit. C'est pourquoi j'ai dit au village, là, pour aller au funérailles, là, il ne faut pas le laisser partir seul. Toi-même, tu sais que sa maman ne t'aime pas. Ça, c'est pour aller marier la fille, là, coutumièrement. C'est pour aller la doter. Ça aussi, tu le sais? Oui, il faut partir avec monsieur. Merci. Merci, ma fille. Mais, madame... Mon affaire de France, là, il paraît qu'il fait froid là-bas. De... Est-ce que mon ventre ne va pas devenir comme dans le congélateur? Éléonore, il fait froid là-bas. Mais il y a les habits pour ça, quand tu es dehors. Maintenant, dans les maisons, c'est chauffé. De toute façon, nous, on a climatisation ici, là. Là-bas, c'est chauffage. Ne t'en fais pas, tu vas bien te sentir là-bas. La femme là-bas m'aimait comme ça. Qui? Hélène Grandet? Tu la connais. Elle est très gentille. J'ai même appelé Mme Monique Rousseau. Si tu ne te sens pas bien chez Hélène, tu vas aller chez elle. D'accord. Tu vas voir, ça va te plaire. Tout le monde t'attend. Tout le monde t'attend. Tu D'accord. seras très bien là-bas. Oui. Hein, t'en fais pas. Merci. Madame, du courage. Hein. Tout, hein. Vraiment, tu ne vas pas changer dans ton dernier papato ou quoi? Mais c'est pourquoi on m'emmène à mission. Oh, pardon, va manger tes ignames au campement. L'homme va respirer ici. Toi, tu penses que je vais en France? Quoi? Je vais au Paris, tu as bien compris. Je vais manger du vin. Du vin au poulet. Paris. Il y a une go gaou comme ça. Tu as passé ou pas là à Paris. N'importe quoi. Oui. Oui, allô. Oui, c'est moi. Ah, Ben, ça va? Pardon? Tu as quel problème? Ah, Ben! Affaire de Léonore là, vraiment, ça commence à rentrer dans mes incives façon. Je sais pas, je suis fan d'elle, je ne comprends pas. Oh, et même quand il la regarde aussi, bon. L'amour même, c'est ça, hein. Pardon, dis-lui de se dépêcher, là. Comment tu es habillé aujourd'hui, là? Tu ne peux pas me voir comme ça. Tu ne travailles pas? Ah, tu n'as pas vu celle qui est venue me remplacer? Alors, donc, ton affaire de voyage, là, c'est vrai, là. Tu vas où, même? Je ne te dis pas. Tu penses que tes conneries, tu fais là, je ne suis pas au courant, quoi. Quoi ça? Hein? Quoi? C'est à moi, tu as dit quoi? La fille là, tu n'as pas dit que tu ne sors pas avec elle? Hein? Aïe. Quelle fille? La fille qui achète les pains pour aller donner à ta maman là. Tu n'as pas dit que tu sors avec elle? Ah, ça là, c'est Cécilia qui t'a dit ça. Et puis elle t'a pas dit que moi, elle est déjà foutue la vie à cause de ça. Elle t'a pas dit ça. C'est vrai alors. C'est vrai que tu sors avec elle, Dibé. Oui, mais tu sais, non. Toi-même, tu fais un tu connais pas les femmes d'aujourd'hui. Tu leur dis bonjour une seule fois. Elles vont savoir, elles vont chercher à savoir où se trouvent tous tes parents. Ta maman, ton papa, tes soeurs, tes frères, même tes cousins.
Et sinon, tu sais que tout ça là, moi je m'en fous. C'est toi que j'aime. Qui ça? Moi. C'est moi que tu aimes. Tu as gratté sur bouteille d'air. J'ai dit, je ne veux plus de toi. Point. Attends, quand tu dis que tu ne veux plus de moi là, c'est à cause de ton majeur d'homme. C'est pas à cause de quelqu'un d'être. C'est à cause de ton majeur d'homme. C'est parce que je ne veux plus de toi. Ok, aujourd'hui on va régler le problème. Afin de majeur d'homme, je te dis qu'on va régler le problème aujourd'hui. Aujourd'hui là. Madame est là, il ne faut pas crier. Oh, Poupo! Et puis tu vas où? Jojo, viens là. C'est chez toi là-bas. Viens, qu'est-ce qu'il y a? Viens. C'est quoi? Tu lui as fait quoi? Voilà. Je ne sais même pas. Afin de tes sons là, il vient d'avouer. Qui? Moi? Mais tu mens quoi? C'est faux, je n'ai rien dit. Qui elle a dit ça? Attends, de toute façon, c'est pas grave. La fille là, elle voyage et puis après elle die. Je vois, c'est fini. Faut chercher l'autre femme. Est-ce que c'est moi, c'est si je suis femme? Attends, toi, calme-toi. Oh. Toi, tu es quel juge? Ah, j'ai compris. Elle voyage là, c'est dans le village de Tesson, elle s'en va. Regardez, c'est là. Regardez. Oh, je t'ai dit, voilà. C'est vrai, hein? Ils sont même pas encore arrivés au travail. Tesson n'est pas là. Ça, c'est pas clair. Ils se sont donné rendez-vous quelque part? Ou pour ils n'aiment pas ça, hein? Ils se sont donné rendez-vous quelque part, c'est tout? Ça, c'est vrai, hein? Quand je t'ai dit, quel rendez-vous, il faut que moi, il la frappe. Il dit, attends, je vais tuer ça. Faut me laisser. Faut te calmer, hein? Il faut laisser. Je vais finir la fille. Ou pour tu vas appeler madame? J'ai appelé madame. Mais toi-même, c'est quoi? C'est quoi? Amoula, t'es forcé. Attends, elle m'a dit où elle va. Calme-toi. Oh. Faut te blabler. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, moi, j'ai tué la fille. Non, faut te blabler. C'est toi qui l'as envoyé. Ça va. J'ai dit. Accompagne-moi, je prends mon kimono. Je m'en vais où? Moi, je m'en vais dans le village de Tesson. J'ai dit, je prends mon kimono. J'ai dit, faut te calmer. Toi, tu vas où? Vous n'avez pas dit que je m'en vais dans le village de Tesson? Moi, ouais, même toi, tu vas où, mais kimono. Moi, je suis civilisé. Moi, quand je dis moi, je prends des engagements, quand tu me trompes, bonne. Attends, bon, you bien, c'est pas quoi. Attends. Qui t'a trouvé ce travail? Oh, attends. Toi, tu pourrais raconter. Mais c'est ça, il te donne ton travail, je m'en en France. Il dit, c'est prends ton travail. Je vais enlever ça dans mon travail. Dis ça maintenant. Dans le Tesson, même, elle était déjà où? Tu as enlevé quoi? Elle s'en va en France. Toi, tu crois ça là? Fais France. Une go gaou qu'on n'est même pas route de pauvre là, c'est mais va demander à madame. Oh, il faut demander à madame si je mens. Ça là, je vous ai dit dans la ville là, il y a les uns et les autres. Hein. Les uns là, c'est moi. Les autres, toi, là, c'est toi. Tu n'es pas, etc. Ouais, hein, les pas non, mais les autres. Yo. Mais rendez-vous, tu as donné à Tesson. Moi, je vais vous trouver là-bas. On va régler ça. Allons, Joe. C'est quelle histoire ça là? Tu as trompé mon ami à Airboy? Mais il n'y a même pas une semaine que je t'ai remis 50 000 francs. Comment tu peux dire que tu es fauché encore? Non, il ne faut pas arriver ici. Hein. Mes parents ne se préparent à aller au village, il ne faut pas venir ici. Non, non, écoute, je te rappelle. Maman, tu vas où? Je vais faire des achats pour le village. Ah, d'accord, je viens avec toi. Non, tu restes. Je vais pas, j'ai tenté Clémentine, elle va m'accompagner à la banque. Occupe-toi de la petite. Peut-être Clémentine passe partout là. À cause, on ne pourrait plus s'occuper des gens, même. Tu es là. Oui. Ah, tu vas aider les enfants à faire descendre les affaires. Oui. Et n'oublie surtout pas la glacière. Tu mets dans le coffre de la voiture. Ok. Je vais au marché là, j'arrive. D'accord. Oh, il fait chaud. Clémentine! Oui, c'est ça. Bonjour. On dit quoi, ma chérie? Ça va? Oui, ça va. Alors, tu as pris ta décision? Oui, bien sûr. Donc, je vais appeler l'avocat. Non, c'est pas la peine. Ah, tu en as déjà pris un? Non, je n'en ai pas besoin. Quel cas? Pour divorcer, il faut un avocat. Je ne divorcerai pas. Hein? Je ne divorcerai pas. Enfin, je suis l'avocat, tu m'accompagnes à la banque pour prendre de l'argent. Pourquoi faire avec? Pour soutenir mon mari pour les funérailles de son oncle. Delta, après tout ce qu'on t'a dit là. Clémentine, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Abandonner mon mari à Miaka? Non, je peux pas. Tu vois ma copine, pour moi le mariage, c'est comme un match de football. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin, il faut courir. Et moi, je me battrai jusqu'au bout. Entre Miaka et moi, on verra qui aura ce trophée. Ah, donc c'est Boiri qui est votre trophée? Bien sûr, okay. C'est mon époux. Bon, à demain. Tu ne viens pas avec moi? Non. Bon, attends, tu dis-moi, Amélie, que je suis partie au village. Ouais.
Oupo. Oupo. Oui, mon oncle. On a tout rangé dans la voiture. Oui, oui, tout est rangé. On n'a rien oublié. Non, non, je viens même de porter la glacière. Ok. Pourquoi d'être là? Je sais pas, peut-être elle est encore en haut, ouais. Je sais pas. Tu prends soin de la maison. Ok. C'est à toi seul que je confie la maison. Ok. Compris? Oh, oui. Mais mon oncle, moi-même, je voulais être là-bas avec vous. Non, c'est pas un problème. Tu sais que s'il ne tenait qu'à moi, on serait parti, hein, mais... Surtout que... Ta grand-mère est partie avec Meaka. On ne sait jamais ce qui peut se passer là-bas. Mais ce n'est pas bien grave. Tu prends soin de la maison. Oui, non. Je sais que sur moi, je te fais confiance. Je sais que tu vas t'en sortir. Allez, on revient dans 2 jours. Hein. D'accord. Bonne route, hein. Ça choupisse. Moi, on m'a donné des pouvoirs ici, là. Je dois en jouir. C'est comment? Marie-là. Viens, maman s'en va. Marie-là. Viens. Bon. Tu restes tranquille à la maison, hein. Hein? T'occupes bien de la cuisine. Hé, hey, j'arrive. Ça va, ça va. Ça va. Bon, au revoir, mon bébé. On ne pleure pas, hein? Je vais pas t'aider. Bon. Oui. Bon, moi, tu n'oublies pas, hein. Quoi? Tu me vois, tu encore bouché et puis tu cries. Ah, on a changé maintenant. On mange africain. Pardon! Tu veux pas qu'on le dise? On a fait un peu de tout là. Bon, alors la cuisine, on a les ongles un peu fins. Yeri, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Attends, tu ne sais pas que c'est ma grande soeur? Je m'en fous! Je m'en fous de tout ça! Elle aussi, elle ne pouvait pas penser que je suis la femme de son petit frère. Hein? Ah bon? On organise notre anniversaire et c'est ton ex-fiancé qu'on installe à la table d'honneur. Ça veut dire quoi ça? Mimi par-ci, Mimi par-là. Elle est choyée. Tu n'as pas dit que ta famille ne l'aimait pas? Hein? Ah bon, parce que madame s'est acheté un woro woro. Elle vit dans une bicoque, elle a eu un petit boulot. Donc, toute la famille, rrr, ici encore, rrr, Mimi par-ci, Mimi par-là, comme des chiens. Regardez, moi là, on ne peut pas m'avoir avec ça. D'ailleurs même, c'est fini. 5 francs de ma part, rien, je ne donne plus. Je ne donne plus rien. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Famille je vais te dire, non, yeah, ma famille n'est pas escroc. Elle est escroc. Oh, de toutes les façons, pourquoi je perds mon temps même à discuter avec toi? Moi, je m'en vais. Attends, mais hey, tu vas où? Je pêche cette clémentine. Tu vas où? Attends, là. Amélie. Marie-Laure. Oui. Bon, faut servir mon petit déjeuner ici, là. Je vais manger. Hein? Mon petit déjeuner, là. Mets-le ici, je vais bouffer. Hé, moi, j'ai servi ça là-bas. Hein. Pourquoi? Hein? Et le nom m'a dit, c'est monsieur puis madame qui mange ici. Regardez. Quand monsieur partait là, il a dit que c'est moi qui suis responsable ici après lui. Donc je vais manger ici. Ah, j'ai servi ça à l'autre côté, dans la cuisine. Si tu veux manger, il faut venir ici. Allez. Toi aussi, tu veux te foutre de moi. D'accord, moi je vais me faire servir et puis je vais voir ce que tu vas faire. Fini. Qu'est-ce que tu fais ici? Tes histoires d'enfants gâtés là. Faut arrêter ça. Pour rien, c'est toi qui prends bagage, c'est toi qui es toujours dehors. Hein? Ça veut dire quoi ça? Écoute Amélie, si tu veux que toi et moi on s'entende là, faut commencer à respecter mes parents. Parce que moi j'aime mes parents, tu comprends? De côté, qui t'a demandé de ne pas aimer tes parents? Qui t'a demandé de ne pas aimer tes parents de côté? Hein? Qui t'a demandé? Faut pas déplacer le débat là. Quel débat? Faut pas déplacer. Tu aimes les raccourcis, hein? Faut pas déplacer le débat. Où je suis là? Moi, je ne perds de rien. Quelqu'un qui a dormi dans le ventre de la panthère, la tête du chat peut lui faire quoi? Ah bon? Oui. Ça veut dire quoi? Je veux dire que ta bâchie qui était là. Quelle bâchie? Ton ex-copine qui était à l'anniversaire là. Oh, attends. Non, si, non, non, non. Si non, mes non, parents agissent comme ça, c'est parce qu'elle a donné un petit cadeau, c'est tout. Quoi? Vous n'avez pas eu le cadeau.
10 000 francs gâteau qu'elle a envoyé là. Tu n'as pas honte. Moi, j'ai donné 150 000 francs. L'argent de poche que mon papa m'a remis. Tu comprends ça, non? Vous n'avez pas honte. De nous deux là, qui doit être choyé? Hein? Qui doit être choyé? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? On vous entend depuis la cuisine. Est-ce que c'est pas les parents escrocs des deux côtés là qui m'énervent? Faut arrêter ça. Mes parents ne sont pas escrocs, Amélie. Faut arrêter d'insulter mes parents. Je t'ai déjà dit ça. Madame Gou, je vous en prie. Regarde-le. Deux côtés là où il est là. Oh, ses parents veulent le vendre. Le monnayer comme ça. Toi qui as l'argent là, tu l'achètes. Moi, Amélie, là, ça passe pas avec moi. Ou bien, ça passe pas avec moi. Si c'est sur mon argent, ils ont compté là. Ils ont tiré à terre. Ils peuvent pas m'escroquer. Calme-toi, ma chérie. Alors, monsieur, de côté, comme ça, vous vous vendez. Ah non, non, entre nous, madame Gou. Je vous respecte. Vous n'allez quand même pas avaler cette pilule là? Si. Hein? C'est ma copine, je la crois. Yeah. Tu as assez gâté mon nom. Allons chez nous maintenant. Je bouge pas. Tu bouges pas? Non, bougie. Voilà. Elle revient tout à l'heure. Laisse-la se calmer. Elle va rentrer, hein? Viens, on va régler ça. Ok, bonne journée, monsieur de côté. Bonne journée, madame. Chérie, hein? Mais tu as bien fait. Chauffe-le comme ça. Il se voit pas, hein, ce gigolo là. Tu le nourris, tu l'habilles, tu le loges. Et puis il ose. Regarde-moi ça. Tu as bien fait. Allez, la cuisine. Et c'est pareil, est-ce que la porte, tu peux m'exploquer? Bonjour, Innocent. Ah, bonjour. Tiens, tu m'embrasses pas. On me dit ce que tu es venu dire là et puis tu vas partir. Ok. Menace tout. Qu'est-ce qui se passe? Comme quoi? Mais tu fermes ton portable. Tu passes plus me voir au bureau. Il y a quoi? C'est pour ça que tu me demandes qu'est-ce qui se passe. Mais oui. Comme si tu ne savais pas ce qui se passait. Oh, menace tout. Attends. Ah. Mais attends. Être un peu plus gentil avec ma mère. C'est trop te demander ça. Quand tu arrives et qu'elle est dans la cuisine, donne-lui un coup de main. Ça te coûte quoi? Innocent. Oui. C'est trop me demander. Ah bon? C'est même trop me demander. Mais tu t'imagines? Moi, Nastou, la fille de Boeri, en train de faire la courbette pour avoir un mari. Non. Mais attends, c'est le monde à l'envers, ça. Mais qu'est-ce que tu as fait faire la courbette? Je comprends pas. Faire le lit de ta mère, lui faire des cadeaux, je sais pas encore qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre. Mais dis-moi, si on est marié un jour et que je ne faisais plus tout ça, qu'est-ce que les gens vont dire? Mais rien du tout, parce qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Mensonge innocent. C'est vrai. Les gens diront tout simplement que je suis devenue méchante. Non. C'est tout. Ils vont même oublier ce que j'ai fait avant là. Ils vont me traiter d'une femme méchante. Écoute, Nassou, personne ne vous oblige à faire quoi que ce soit. Alors? D'ailleurs, c'est vous qui initiez cela. Ah bon, hein? Surtout lorsque vous vous sentez menacé par une concurrente. Allons faire des cadeaux pour être en bonne position. Et les hommes ont pris goût à cela, mais voilà quoi. Je comprends maintenant. J'ai tout compris. Je sais maintenant pourquoi Cécilia n'arrête pas de faire des cadeaux à tes parents. Oh, c'est pour t'acheter. Oh non. Moi m'acheter. Non. Pourquoi? Pourquoi vous m'achetez? Mais de toute façon, hein, moi, je ne peux pas faire ça. Hein. Ça, il faut te le mettre dans la tête. Il ne manquait plus que ça. Mais Cécilia, toi ici, tu fais quoi? Mais tu me suis pourquoi même? Tu me suis jusqu'ici, chez ma future épouse. Il y a quoi? Fais-le-moi celui-là. Tu dis rien, qui te poursuit? Tu viens de faire quoi ici? J'ai fait quoi et toi? Oh, arrêtez-moi votre comédie là. Arrêtez-moi ça. Monsieur demande à madame de l'attendre à la porte. Mais comme depuis bien du temps il ne sort pas, elle vient le chercher. Mais toi innocent là. Non, écoute. Vraiment. Mais avec ça tu veux quoi? Nastou, mais tu imagines des choses. Telle chose. Mais demande. Demandez à qui? Cécilia. Ça fait combien de temps toi et moi on s'est pas vu? Oh, toi fous-moi la paix, je suis ton avocat ou quoi? Hey, mais. Mais quoi? Heureusement que j'ai enlevé mes pieds dans cette saleté-là. Mais toi, innocent, je te dis, hein, je ne veux plus voir tes deux pieds-là ici. Tu reviens ici, je demande à mon père Boiri de te casser tes pieds-là. Je ne veux plus te voir ici. Nastou, hein. Nastou, tu peux me faire ça? Nastou, Mais tu as vu ce que tu as fait? Oh, pardon. Tu as vu ce que tu as fait? Elle a fait quoi? Il y a quoi même? Elle a fait quoi? Hein? Tu viens ici pourquoi? Oh, pardon. Tu habites ici. Nastou. Attends, mon ami, c'est ce qui a dit. Attends. Cette histoire de cadeau à ma soeur-là, faut arrêter. Hein.
faut arrêter, je n'aime pas ça. Cadeau à ta sœur. Oui, les cadeaux que tu les fais là, faut arrêter. Je n'aime plus ça. Frédéric, c'est pas cadeau, hein. Elles vont payer. C'est crédit, elles ont pris moi mes strings, mes soutiens, elles ont pris là, elles t'ont dit c'est cadeau. Regardez-moi celui-là, si on sort d'ici là, on s'en va encaisser mon âge. Elles ont des foutaises, carrément. On est venu. Toi, tu habites ici maintenant. On est enfant de pauvres, on fait quoi avec un pauvre encore sur le dos? On cherche les boss pour nous aider. Toi qui as quoi? C'est certaines riches qui s'achètent un mari. Nous, on n'a pas ce temps. T'as déjà vu pauvre qui achète un mari pauvre pour mettre dans sa maison? Un bon? Deux. Ma chère, on va rentrer parce que là, c'est moi qui suis vraiment m'énerver. Faut voir si on peut trouver ou pas. On dit qu'il n'est pas. Est-ce qu'il fait ça, ça m'énerve. On va aller chez nous. Moi-même, tout ça, ça m'énerve. On va aller chez nous. Regardez-moi, c'est là. On revient prochainement. Tu te prends. Il y a plus mon enfant. Fous-le. Ah, attends, pas là-bas. Qu'est-ce que ces filles-là? Amélie, hein? Tu comprends pourquoi je suis dure avec mes beaux-parents? Je comprends. Parce que ceux-là, ils sont pas bien. Même si tu leur donnes tous tes biens, tu les aimes, tu ouvres ton ventre pour leur donner ton estomac. Mais dès qu'ils voient une autre fille avec leur frère ou leur fille, ils la prennent comme une reine. Elle devient la coqueluche de la famille. Mais c'est ça. C'est ce que les parents de Gohou font avec les gars. Ah bon, ils sont tous pareils. Ma chère, tu sais quoi? Delta a accompagné Bohiri au village. Quoi? Après tout ce qu'on lui a dit là? Après tout ce qu'on lui a dit à Amélie, Delta, elle m'énerve. Elle sait tout, mais elle est gnie. Quand son foyer là, ça brûle là, c'est nous qu'elle appelle à la mais c'est ça. Parce que tu sais, les beaux parents là, c'est quand ton mari te fait souffrir, qu'il te trompe à longueur de journée et que tu lui racontes tes misères là. Ah, à ce moment là, il t'aime. Mais dès qu'il découvre que ton mari est à tes petits soins, il te rend heureuse. Tu deviens l'ennemi numéro un. Parce que pour eux, non seulement tu commandes ton mari, mais c'est toi qui dépenses tout son argent. C'est ça les parents de Gohou là. Mais si moi je bouffe les reins de Gohou, où est le problème? Ou en tout cas, c'est pas moi qui encaisse dans la chambre là-bas. C'est normal. C'est normal. En tout cas, entre Gohou et moi là, personne ne peut nous séparer. C'est à cause de l'Eiga à ce moment-là. Ton mot là, passe-moi ton mot là. Ils ont tiré à terre. Ils ont tiré à terre, même sous la terre. Parce que Gohou et moi, c'est Dieu seul qui peut nous séparer. Faut bien bouffer même. La famille à moi, c'est lui, c'est toi. 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 La famille à moi.